Alors, ça fait 2 mois que l'Académie des Beaux-Arts est fermée et je me suis demandé ce qui pouvait se passer dans les murs pendant ce confinement. Alors, on a vu des canards qui se baladaient tout près de la Comédie française, on a vu une famille de renardos qui avait investi le Père-Lachaise, on a vu des animaux un peu partout qui se baladaient dans Paris, donc je me suis demandé si les animaux n'avaient pas investi également l'académie, peut-être qu'ils sont installés sous la coupole, qui sait. Donc, alors, on ne sait jamais, c'était des cousins de la famille du Père-Lachaise. Hein. Alors, ça tombe bien parce que le orange du renard se marie parfaitement avec le vert du costume d'académicien, couleur complémentaire. Je crois que les renards sont au courant. Ah, j'ai pas fait les. Je lui ai pas mis la Légion d'honneur, mais. Voilà, on va dire qu'elle est là. Je sais que normalement il faut sortir les médailles en entier, mais. On va imaginer que c'est ça. Et donc après le confinement, il va peut-être falloir cohabiter hein, avec ces nouveaux venus. Mais on ne sait jamais, il y a peut-être des artistes parmi eux. Ça, ce serait la bonne surprise. Et ben, je pense que l'Académie sera très heureuse de s'occuper de ces nouveaux artistes, comme elle a l'habitude de le faire avec tous les artistes en général. Et je crois que les artistes, là, après le confinement, vont avoir bien besoin d'aide.